C'est vraiment une attitude de vieille. Non, si. Oh. Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, c'est le mois de février, c'est le mois de février, c'est le mois de février. Bon, c'était aussi le mois de février, mercredi. Mais vous savez, mercredi, bilan du mois de janvier, j'en avais l'impression d'être toujours au mois de janvier. Mais là, c'est le mois de février et c'est pas pareil. C'est pas pareil que mercredi. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi, vous n'allez rien comprendre à cette introduction. Mais aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est quoi? Le vendredi, c'est boxe. Vous avez l'habitude, j'ouvre régulièrement la Prescription Lab, j'ouvre régulièrement la Sweet Home Box, mais vu ma dernière vidéo Sweet Home Box où j'ai dit ce que je pensais et que c'était pas super positif, je sais pas si pour en avoir envie de continuer à travailler avec moi parce que j'ai pas reçu la box du mois de janvier. Donc moi, je dis ce que je pense et quelquefois, ben, ça peut blesser les marques. Je comprends aussi, mais bon, je suis pas un panneau publicitaire en même temps. Et si vous me suivez, vous savez que je me suis abonnée à la Blissime il y a très très peu de temps puisque ça date de janvier. Il y avait la fameuse box 100% La Rosée. Je vous ai fait une vidéo crash test des produits La Rosée. Si vous l'avez pas eu, je sais jamais si le petit est ici ou ici, mais en tout cas, vous trouverez ça sur ma chaîne. Et là, j'étais pas sûre que ça soit Blissime, donc j'ai quand même ouvert au cas où. Et là, donc, on va découvrir ensemble la Blissime du mois de février. Bon, la Blissime, elle commence à être hyper connue. Si jamais vous ne connaissez pas la Blissime, en deux temps, trois mouvements, c'est une box beauté, soins et maquillage. La plupart du temps, c'était format voyage. Là, la box du mois de janvier, c'était que des beaucoup de full size. Mais la plupart du temps, c'est des formats voyage. Et autant il y a quelques années, je ne jurais que sur les full size. Et en fait, je reviens vachement là-dessus. C'est vrai que j'apprécie de plus en plus les formats voyage. J'aime bien, ça me permet de tester plus de produits, de voir un petit peu si ça me convient, etc. Parce que si tu ouvres un full size et que ça te convient pas, c'est un peu Raoul, tu me fous les boules, de jeter le produit. Donc la Blissime, elle coûte, c'est une des box la moins chère sur le marché, beauté, elle coûte 16,90€ et avec le lien que vous avez en barre d'infos, je ne touche rien là-dessus, blablabli, blablabla, c'est pas une collab, blablabliblou, vous connaissez l'animal. Si vous utilisez mon lien qui est en barre d'infos, vous payerez votre box moins cher. Voilà pour les présentations. Alors, la box, la Blissime, la petite boîte se présente comme ceci. Elle est trop jolie. Février, il y a des petits cœurs. On se dit le mois des amoureux, de la Saint-Valentin, etc. Et j'arrête tout de suite parce que on n'est pas forcément obligé de fêter la Saint-Valentin juste parce qu'on est en couple. On peut être aussi amoureux et bienveillant et envoyer plein d'amour à soi. Donc, si vous êtes célibataire, ne vous braquez pas immédiatement en disant « Ouais, non, je suis célibataire, j'en ai marre de la Saint-Valentin et trucs, les les coupes, j'en ai marre. » Non, prenez le truc positif, toujours, moi, vous savez, positif attitude. Prenez le truc positivement en disant, effectivement, bah toi, tu fais peut-être ton truc avec ton amoureux ou ton amoureuse, mais moi, je fais de ça avec moi. J'ai décidé de m'aimer, de m'apporter de l'amour, de la joie, de la bienveillance. Donc, c'est une Saint-Valentin, une auto-Saint-Valentin. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content, parce que le but, c'est que tout le monde soit content. Il ne faut jamais laisser des gens sur le bas-côté. Hein. Donc la box se présente comme ceci. Je la trouve extrêmement jolie. Ça, c'est bien, parce que moi, je me répète. Mais moi, j'aime bien, parce que au niveau des rangements dans un bureau et tout, je trouve que c'est bien de réutiliser les box. Et on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai rien vu du tout. Il y a ma love story, vous voyez. Il y a un petit papier, j'ai peur d'être spoilée, je sais pas trop, j'ai été abonnée à la Blissime il y a longtemps, alors je sais pas trop ce qu'il y a dessus, on regardera plus tard. Alors, j'attrape ça. Alors, ah c'est bien, enfin c'est bien, je sais pas, je connais pas. Non mais la fille tellement enthousiaste qu'elle sait qu'elle va être contente avant de savoir même qu'elle est contente. Alors c'est quoi? Protection contre la chaleur. C'est un cheap sheet qui s'appelle Brazilian Keratin Smoothing de la marque Behavior. Je vais essayer de mettre des accents. C'est un format comme ça, donc c'est un petit format de 30 ml. Déjà sur les grands formats, les textes sont écrits en minuscules, mais alors sur les petits formats, je vous raconte pas. Formulé, je suis obligée, hein, je suis obligée. Mamie Delphine, elle ne voit plus rien. Formulé à base d'huile de coco et de protéines de kératine, s'utilise avec les fers à lisser, les fers à riser. J'ai l'impression d'être vieille, ça c'est vraiment un geste de vieux. On voit jamais quelqu'un de 20 piges faire ça. C'est vraiment une attitude de vieille. J'aime pas ça, ça me dérange pas, mais ça me dérange. Enfin, ça me dérange pas. Il y a des trucs de mon âge
qui me dérange pas. Mais ça, ça me dérange. Alors, Ututatitata, donc bref, c'est un produit pour les cheveux. On va aller regarder ce qu'on nous dit sur la toile. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Instagram, je trouve rien en français. Alors, par contre, ça va être un problème. Hein. Un truc anglais, ça doit être une marque anglaise. Bon, je sais pas. Je sais pas, apparemment, il y a toute une gamme. Il y a des conditionneurs, il y a des shampoings. Mais je trouve pas ce truc-là. Bon, écoutez, je vous donnerai toutes les informations en barre d'infos. Vous savez que je passe toujours beaucoup de temps à vous préparer les barres d'informations, les descriptions. Tout ce que je dis en vidéo, vous le retrouvez sous la vidéo avec les liens, les informations de tout ce que je vous raconte. Donc, normalement, vous avez ça en dessous. Très bien, je suis contente. Moi, il m'en faut pas de toute façon énormément pour que je sois contente. Donc, ensuite... Oh, super! Oh, bah ça, c'est super! Non, mais... c'est vachement bien. Non mais c'est un parfum. C'est un parfum, c'est un full size ça. C'est un parfum, j'essaye de trouver les millilitres de combler. c'est un parfum 30 millilitres de la marque Adopt. C'est un full size et c'est quelques mots d'amour. Alors c'est sûr, moi j'espère que je vais aimer. Quelques mots d'amour, c'est une box. Oh je suis contente, super. Elle est bien, franchement la blissime. J'ai l'impression qu'elle est de mieux en mieux d'année en année. C'est les remarques que vous m'avez mis sous ma vidéo La Rosée. Il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit effectivement que par rapport à un ou deux ans, elle a upgradé la blissime. Alors, quelques mots d'amour. Vous voyez, rien que le parfum là, il coûte 10,95€ en sachant que la box coûte 16,90€. Donc ça vaut carrément le coup. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Des notes douces et veloutées de pêche blanche, un cœur intense enveloppant de fleurs exotiques sous un fond délicat de musc. Moi j'adore l'odeur du musc, donc j'espère que je vais aimer. Note de tête, la pêche. Note de cœur, fleurs exotiques. Et note de fond, musc blanc. Bah écoutez, on va tester immédiatement. J'ose pas appuyer en fait. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Je sais. Attendez. Faut que je m'acclimate parce que là, quand ça fait trop fleuri, il faut pas que ça fasse parfum de vieille. Déjà que je regarde les produits comme ça, est-ce que ça fait parfum de un peu vieillotte? C'est fleuri. Je sais pas si c'est le genre de parfum que je rachèterais. Je me dis pas j'adore machin. En même temps, si toi tu as pas envie de le mettre sur toi, tu peux t'en servir en produit en parfum pour les toilettes, parce que les parfums exprès pour les toilettes, là par contre ça pue du feu de Dieu. Mais acheter un petit truc comme ça, 10 balles pour parfumer ses toilettes, quelquefois ça vaut carrément la peine. Et quelquefois c'est même moins cher que des parfums exprès pour les toilettes, style Airwick machin. Les recharges, quand t'achètes l'appareil en plastique là, avec les recharges, au bout de compte, quelquefois ça coûte beaucoup plus cher que des trucs comme ça. Non mais ça sent bon. Ensuite, il y a du monde hein, dans la box. Ensuite, oh, c'est des petits patchs à mettre sous les yeux quand vous faites un soin sous les yeux, hydratant, voilà, je cherchais le terme, pour mettre sous les yeux, je pense que c'est ça, c'est peut-être des coussinets, je reviens peut-être ça, à mettre au congélateur pour que ça soit extrêmement glacé, et après vous mettez ça sous vos yeux, mais en même temps ça tient comment? Le truc, pour rester comme ça. En fait, tu te prépares le matin, faut rester comme ça. Pendant que tu te laves les dents, peut-être, clic, 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 clou, clou, clou. On va voir. On va nous en dire un petit peu plus. Donc, c'est des petits coussinets comme ça. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et alors ça, faut voir comment ça se boutique. Ça peut être très gadget, le genre de truc que tu peux jamais mettre. Parce que bon, être allongé par terre comme ça, regarder le plafond juste pour poser le truc, je sais pas. on va regarder. Ensuite, n'est pas fini, hein. Ensuite, j'ai un crayon de chez Yolène, la marque Yolène. Je pense que c'est un stick à lèvres, un crayon à lèvres latte nude, la teinte latte nude, le nude café crème. Ça, c'est les teintes. Bah, je peux pas essayer ça parce que j'ai mis autre chose. Mais c'est les teintes que je pourrais... Oh oui, c'est une teinte tout à fait que je pourrais porter. C'est une jolie teinte. Franchement, je trouve ça... je le trouve très joli. Ça, j'aime bien. Un crayon. En plus, il est grand, hein. Je pense que c'est un format voyage, ça, c'est... On est content. Enfin, moi, je suis contente. Ensuite, j'attrape autre chose. Oh, super. Franchement, super. Ça, c'est pour les cheveux. Flourishing, ça veut dire quoi? C'est une brume pour les cheveux et le body. C'est une brume de chez Rituals. Alors, moi, les
produits de chez Rituals, c'est soit j'adore, soit je déteste. J'ai pas d'entre deux. Alors par contre, ça sent déjà le parfum de chez Adopt. Je vais peut-être mettre ça sur ma main. Ah, oh, ça sent bon. Rituals of Shakura. Ah, ça sent bon. Je suis contente aussi. C'est bien. Et dernier produit que j'attrape, bah c'est pas la même marque que tout à l'heure. Ah non, c'est un autre truc. C'est, je pense que c'est la marque Brave. New Air Color. C'est un masque concentré pour les cheveux colorés. Parce que quand vous remplissez la Bissim, c'est comme toutes les box beauté. Vous avez un profil beauté à remplir. Donc moi, j'ai effectivement dit que j'avais les cheveux colorés et que donc j'attendais de nourrir mes cheveux, blablabla, blablabla. Donc est-ce que toutes les nanas ou toutes les personnes qui ont reçu la Bissim ont reçu ce produit-là? J'en sais rien. C'est un 50 ml. Il sent... J'ai pas l'impression qu'il sente beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marques qui suppriment les parfums parce que allergie, de plus en plus de personnes sont incommodées par les parfums dans les produits. Je vous ai montré ou pas? Non, je vous ai pas montré. Alors, je pense que la marque, c'est Brave. Ce qu'il y a pas mal sur Bissim par rapport... Alors, moi, j'adore la prescription lab. Hein, je suis une fan inconditionnel de la prescription lab, vous le savez. Par contre, c'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est d'avoir ce grand magazine à l'intérieur qui coûte cher. Hein. Il y a je sais pas combien de pages dans le magazine le prescripteur. Alors certes, il faut parler des marques et tout ça et tout ça, mais l'argent que tu mets dans le magazine, bah, tu le mets pas dans les produits. Et je trouve ça un petit peu dommage de mettre autant de choses dans le papier, dans la box. Là, dans la Bissim, vous avez que deux papiers. Donc là, je suis en train de découvrir, il y a 20 tirages offerts, format au choix avec l'application Lala Lab. Et bah écoutez, ça sera utilisé parce que j'aime bien faire des tirages comme ça, c'est une super idée. Donc ça sera utilisé. Et il y a donc Love Story, une vague d'amour déferle sur votre box. Ah, en fait, ils mettent un QR code et ça, c'est pas mal, vous voyez, parce que bah, directement, vous pouvez scanner, vous avez accès à un contenu augmenté plutôt que d'avoir X pages. Donc déjà, bah, pour la planète, c'est quand même mieux. Et, enfin, je dis ça, c'est que c'est mieux. Non, c'est pas forcément mieux, parce que, tu vois, je ravale mes mots. Parce que, vous voyez, j'ai suivi plein de choses. En ce moment, je suis sur l'éco-conception, je suis dans tout ce qui est RSE et tout ça, si ça vous parle. Et ben, quelquefois, d'imprimer un magazine de 20 pages à X exemplaires, ça coûte beaucoup moins cher que d'envoyer la même chose par mail, parce que pollution numérique, parce que serveur, parce que réchauffement, machin. On se dit d'instinct que forcément, imprimer moins écolo que les mails, mais pas du tout. Pas du tout. Donc non, je ravale ce que je viens de dire. Alors, si je scanne, parce que je vais essayer de voir au niveau des yeux, parce que ça m'intrigasse. Alors, c'est bien. Bah, vous voyez, je découvre en même temps comment la Bissim fonctionne. Donc là, je viens de scanner le QR code et j'arrive sur mon téléphone et j'ai les infos des produits qui font partie de la box. Bah, je trouve ça très très bien. J'aime bien ce concept-là. Écoutez, je suis assez contente, même très contente de m'être abonnée à la Bissim parce que on m'avait dit, bah ouais, mais peut-être que tu t'es contente de la box du mois de janvier parce qu'effectivement, c'était la marque La Rosée. Effectivement, il y avait pas mal de produits de full size dedans. Mais écoutez, cette box-là, pour 16,90€, je trouve que les produits sont quand même plus que bien. Ne serait-ce que le parfum, déjà, il fait 11€ et quelques. Et puis, si tu rajoutes tout le reste, quand même vachement gagnant. Les produits, je vais tous les utiliser. Je suis super contente. Le rouge à lèvres, d'après ce que je vois, il y avait trois teintes différentes au choix. Voilà, il y avait ces trois teintes là. Ben moi, je suis très très contente d'avoir une teinte comme ça. Des rouges, ben j'en ai un petit peu beaucoup. Donc écoutez, très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la Bissim. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits qu'il y a à l'intérieur de ce mois-ci, de la box du mois de février. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma box. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.